Convoqués par l'équipe d'experts d'Anzessa et de ses collaborateurs, 10 jeunes Martiniquaises sont devenues des compétitrices de charme. Maillot, et bien bon, comme tout le monde, ben, j'ai tic complexe, donc bon, c'est un petit peu difficile, mais bon, après, comme tout le monde en maillot, donc bon, on n'a pas trop le choix. On se demande, oui, qu'est-ce qu'ils vont penser dans mon corps, mais en même temps, bon, si on nous a appris, ils nous avaient déjà vu le casting, donc ça veut dire que bon, on valait quand même quelque chose, donc bon, j'étais pas trop. J'étais quand même à l'aise. Bizarrement, ça a été. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait le contexte, la piscine, l'hôtel. On a l'habitude d'être en maillot de bain, on va à la mer, donc je pense que c'est pour ça. Mais j'adore aussi la photo en maillot, parce que bon, je suis souriante, les cheveux dans le vent. Le maillot de bain, c'est plus free, donc ça allait. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. Là, un côté décalé, mode, je dis, une petite moue boudeuse, un petit côté j'en ai rien à faire d'être là. Je suis harcelée de paparazzi, mais tout va bien, je suis très calme. Et nous, on a adoré, sous Victor Schœlcher, en rouge, le côté déesse créole pimentée. Et Arline aussi, qui est non, la photo Arline, c'est très 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 belle aussi. On sent qu'elles ont déjà faim en elles, quoi. C'est ce qui est amusant. Par rapport à Martinique Queen, qui est quand même un concours avec une identité forte en tant qu'identité Martinique, pays Martinique, donc on défend aussi notre créolité, je vais choisir. Les filles sont les reines de cette soirée de show maquillage. Les filles sont saluées, félicitées, photographiées. No more gas in the red, can't even get started. Nothing heard, nothing said, can't even speak about it. Les candidates entrent dans un tout nouvel univers. Oui, on a dansé, on a mangé, on a fait des photos avec les gens. À la nuit, elle était super. Ils ont offert des cadeaux, du maquillage, on n'arrêtait pas de nous prendre en photo. On nous regardait beaucoup, donc on se sentait belle et tout. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était bien. En maillot, j'ai eu, on va dire, deux crampes, donc c'était pas facile à gérer. La compétition de maillot s'est bien passée près de la piscine, avec le soleil et tout. C'était intéressant. En général, ben, la compétition s'est très bien passée. Bon, c'est vrai qu'il y a le stress, mais bon, ben, on se donne à fond, on a envie de gagner. Non, ça a été. Je pensais que le sol aurait été plus chaud, mais tout a été super cool. J'étais à l'aise. C'était super au début, j'ai stressé un peu, mais ça s'est bien passé. Moi, quand j'ai vu mon maquillage, je me suis effrayée. Fait que j'étais moche, mais j'avais pas l'habitude de me voir comme ça, donc ça m'a fait un. C'est vrai, de se voir différemment, ça change toujours. On a peur que ça choque les gens, de ne pas s'accepter soi-même, mais bon, ça s'est bien passé. Confondue dans la population martiniquaise, je reste tout de même discrète. Et puis à force de répéter la phrase à chaque fois, au bout du moment, quand le moment arrive, en fait, on oublie les mots. Cette tenue, très coutume, est en commémoration au premier... Surtout, ne me coupez pas la tête. Mais aujourd'hui, je représente l'Amérique du Nord.
Ah oui, c'est un rêve que j'ai accompli là, c'est vraiment... non, je suis très très contente. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'occasion de participer à cette aventure-là. Une expérience inoubliable quoi, je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse connaître ça. Notamment, moi je suis là pour gagner. Pourquoi pas moi? Je suis déterminée quand même pour arriver à mon but, gagner. C'est vrai qu'il y a la couronne au bout. Et elles veulent toutes porter la couronne. Elles veulent toutes partir.